Et bonjour tout le monde. Et c'est Ronz Mille, bienvenue sur Hearthstone. Et oui, je me suis perdu dans mon intro, tout va bien. On va faire un petit peu de bois maudit. On reprend le bois maudit, j'aime bien le bois maudit, c'est sympa. Ma chaise qui vient queener bizarrement, tout va bien. Il y a Karazhan qui est bien aussi. J'aime bien cette aventure, surtout l'ambiance de l'aventure qui est super. Bon, hein? Je t'ai pas avancé? Attendez, j'en étais où? Ah, bah, d'accord, je sais plus du tout où j'en étais. Bon, on va reprendre le canonnier. On va essayer le canonnier à nouveau. J'adore le canonnier. J'aimerais bien arriver à le finir avec le canonnier. Trafictant, je réessaye pas. Clairement, je réessaye pas, c'est de la merde. Je sais qu'il y a mieux, clairement. Mais non, le trafictant ne me plaît pas. L'avantage du trafictant, c'est que ça permet de recommencer un tour, mais c'est tout. Il n'y a pas suffisamment d'aléatoire dans le deck, de base, pour que ce soit utile. À la première partie, si l'autre est agressif, comme le deck n'est pas du tout, mais du tout agressif, c'est de la merde. Globals, on devrait le gérer facilement, surtout avec le canonnier. Je suis en position. Parfait. Donc, exaltation, premier tour. Tour 1. Tour 2. Tour 3. Un jour, je serai chevalier. Ah, faut que je baisse un peu le son dans mon casque. C'est un peu le fun. Ok, tour 1. Ensuite, tour 2, on a dit qu'on faisait ça. En espérant que ce soit pas l'écuyer qui prenne. Ce sont de vraies épées. C'est moi qui prends, dis-moi que c'est moi qui prends. Dis-moi que c'est moi qui prends. C'est moi qui prends, tout va bien. Donc là, au prochain tour, je fais 3 de dégâts. 4, 5 de dégâts. Ouh, ça va faire mal ça. Ouh, ça va faire mal ça. Ou alors, attendez. 2. 4, 5. Non, ça va pas aller. Donc on va juste faire ça. Ça. Quoi ? Ce sont de vraies épées ? Voilà, ça suffira, je voulais le faire comme ça, mais voilà. Et on va le buter au canon. Juste au cas où. Et je suis un abruti. Ce sont de vraies épées. Je suis un abruti, putain. Je suis trop con, je regarde pas le nombre de mana. J'arrive. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé mon nombre de mana. Heureusement. Heureusement que j'avais la 3-2 derrière. Non, mais je suis juste débile. Non, mais tout va bien. Inflige un point de dégâts supplémentaires. Chaque fois que votre arme est détruite, non, ça je m'en fous. Les canons infligent un point de dégâts supplémentaires, ce sera ce qui sera le plus rentable, clairement. Même si je préférais réduire de 2 le coût de mana dans ma main, on va faire comme ça. Donc on a la ruée. Ruée cri de guerre gagne plus 3 pendant ce tour. Ruée cri de guerre invoque 2 boueux de 1 pour votre adversaire, c'est de la merde. Donc là c'est barbare, ok, et des armes, donc on va faire attaquant pour l'instant. Je fais de la place sur mon bureau. J'ai un truc qui vient de se casser la gueule. Ah oui, c'est ce que je viens de poser à côté. Petit serviteur grandit très vite. Avec le point de dégâts en plus, ça devrait aller. Ça devrait se gérer facilement. Bon, c'est bien, c'est ressemble à la reprise. Bah, à l'origine, je voulais tourner cet après-midi du Euro Truck Simulator 2. Ça va être, et comme qui dirait, un petit peu compliqué. Ça fait 3 heures que j'ai lancé le téléchargement, 3 heures avant ce tournage. J'ai téléchargé 400 mégas sur 2 gigas. Je pense qu'il finira cette nuit, et encore je suis même pas sûr qu'il arrive à finir cette nuit. Ouais, j'ai une connexion internet de merde et c'est de pire en pire. Ouais, je peux lui infliger 5 au tour. Hein. Donc 2, 3, 4, 5. 5 avec le canon tour 1, ça peut faire du mal. Mais... Enfin tour 1, non, tour 3 plutôt, mais là non, je ne le ferai pas. Mais faut que j'arrête de dire n'importe quoi, faut que j'arrête de faire n'importe quoi. 2 arbrisseaux à 1. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est nope. Un jour,
je serai ah, d'accord. Bon, bah c'est bien, c'est du Hearthstone, hein. C'est tranquille. Ça se passe plutôt bien. Ici, il n'y a pas de lumière. 2, 3, 4. Ok, on va le faire comme ça. Ça fait quoi? Donne plus 1 d'attaque à vos serviteurs. Tu dégages. Ce sont de vraies épées? Voilà, ça se gère tranquillement. Le canon est quand même ultra efficace. Nope. Non mais il est con. Ah non, il est pas si con que ça, tout va bien. Ouais, j'ai pas de serviteur et de provocation, j'ai cours en main qui pourrait être rigolo. Inflige un point de dégâts à un serviteur et lui donne plus 2 d'attaque. Donc déjà tu vas faire ça tranquillement. Ensuite tu vas me donner plus 2 d'attaque à lui. Oh, j'aurais pu le faire deux fois en fait, mais non. Quoi? Ce sont de vrais ennemis? Ça gère facile, ça gère ultra facile. Plus un à tous les serviteurs. T'es en train de gagner, oui. Oui, t'es en train de bien gagner. Oui, vas-y, continue de gagner comme ça, tu me fais plaisir. Non, mais il est con. Ce boss est très con. On va être gentil, on va juste faire ça. Pour être gentil. Quoi? Ce sont de vraies épées? Allez, tu bouffes. Voilà, ça c'est fait. Non, c'est pas drôle, c'est sûr c'est toi qui étais tué. En fait, quand vous vous battez contre quelqu'un, l'autre en face, deux personnes dans la rue, vous vous battez contre une personne, enfin, je vais y arriver. Vous êtes dans la rue, en face de quelqu'un, vous allez vous battre. L'autre est à point, juste les points, vous allez pas lui donner un couteau pour vous battre contre lui, sachant que vous avez rien. Il se passe quoi là? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben je crois qu'on va... Oula. Ouh, mais c'est qu'il y en a du bordel ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouah, tellement de bordel. Ah putain. Je comprenais pas tout à fait ce qui s'était passé. Donc nous avons quoi? Nous avons elle qui... A chaque fois que je joue cette carte, ça me porte la poids, je perds. Place une mine dans le deck de votre adversaire et Ragnaros, la basique. La basique. Écoute, un cristal. Oui. Oui, je dis oui au commandant là. Écoute, un cristal, ouais, c'est pas mal. Faut dire ce qui est, la demoiselle du lac est très intéressante. Le Gilnéen va m'adorer dès qu'il sera sous l'emprise de Stara. Sa langue est aussi acérée que ses dagues. On a déjà eu affaire à lui. Je crois que je l'ai massacré. Ou il m'a massacré, je sais plus. J'ai eu affaire à lui quand avec qui? C'est qui? Je crois que c'est avec Tess. Avec Tess, je le gérais facilement. Darius contre la Stara. La sectatrice Stara, fais-moi pas chier. Raikun, pas n'importe qui. Je suis en position. Laissez vos armes. Rejoignez-nous. Voilà, on va mettre que deux. Ouais, oui. Je dis non, mais bon, voilà. Je joue d'abord ça, ensuite je joue ça et tac tac tac, tout ça, voilà. Ah merde! Ah c'est vrai, non j'avais perdu. C'est vrai que ce pète-couille il fait. Ouais, ça va être chiant là. Ça va être compliqué. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas avec nous? Attendez, faut que je réponde. Je vais vous pulvériser! Allons en discuter autour d'un verre. Ça va, c'est bien. A plus 3 s'il est blessé, 1 point de dégâts. Je pêche des plus gros poissons. Connard. Et en plus, il me fait piocher 2 cartes, l'enfoiré. Ah, enfoiré de raclure de bidet. Tout. Allez-y. Hop. Dégage-moi cette merde. Tout de suite. Choix
Vol de vie, super. Ok, inflige un point de dégâts à un serviteur, lui donne plus de d'attaque. Pas pour l'instant, ça on va juste faire ça. Et ça. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je croyais qu'il y a un truc qui t'a parti en couille, mais non, non, pas plus que ça. Quand on dégage un serviteur, c'est la 7 d'équipement, c'est obligatoire. 3 points de dégâts, gagne 3 points d'armure, je vais être obligé. Je vais peut-être pas être obligé tout de suite en fait. Qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant? En fait là je peux lui infliger 2 mais... Ça va être juste, donc on va faire ça. 2, 3, c'est parfait, donc on va faire... Quand le jeu voudra bien revenir, voilà, voilà, c'est pour ça que j'arrive pas à télécharger Euro Truck Simulator en fait. Le jeu fonctionne. Le jeu n'a pas crash. C'est juste ma connexion qui a crash. Et ma connexion SFR qui me fait chier, bordel de merde. Ouais, je sais, je rage, mais j'ai passé 3 heures hier à essayer de régler cette putain de box. Donc, hop, toi tu prends. Et toi tu prends. Je vais prendre, je pense, tarif. Et c'est la 80 qui prend. Et... Non, mais foutage de gueule. Non, ça c'est pas. Non, c'est du foutage de gueule, ça. Ça, je suis pas d'accord, ça. Ça, non. Ça, non. Ça, je dis non. Donc, 3. Chier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ça passe pas. Ensuite, le pouvoir héroïque coûte 1. Mouais. En fait, j'essaye de comprendre ce qui serait le plus. Plus 3 d'attaque d'office. Défendez les portes. Donc, ça, tu dégages. Toi, tu dégages. J'avais oublié que j'avais ça en main. C'était ça qui était le plus rentable, clairement. Là, j'avais pas des masses de choix en fait. Ok, super. J'ai intérêt à gagner au prochain tour. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3. Venez-vous battre, Bermine. 5. Pas de problème. Je vais être su... Non, c'est bon, ça va, ça passe. J'ai eu peur d'un coup, j'ai peur qu'il se passe quelque chose, mais non, tout va bien. J'aime pas ces boss comme ça, c'est compliqué, mais bon, c'est normal, il faut que ce soit un minimum complexe. Mais bon, tout va bien. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas, donc pouce bleu, commentaire et abonnement. Et on va finir cette quête à la prochaine partie. Et je ne vais même pas choisir le bonus. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Revanzmille.